Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai reçu un commentaire vraiment palpitant. L'abonné demande, c'est en anglais. Please let me know if it's possible to hack with Game Guardian. Ça dit littéralement en français, s'il vous plaît, fais-moi savoir si c'est possible de hacker avec Game Guardian. Pour ceux qui ne savent pas, Game Guardian, c'est une application qui permet de hacker des jeux, leur vitesse et la vitesse du jeu. La pierre en fait, c'est-à-dire les pierres précieuses, c'est-à-dire les diamants ou les points et tout, vous voyez. Du coup, il demande à savoir si c'est possible de hacker le compte, la balance de OneSbet avec Game Guardian. Du coup, je vais essayer de télécharger Game Guardian et on va passer au test rapidement. Mais avant d'utiliser Game Guardian, figurez-vous que votre téléphone doit être routé, vous voyez. Pour tout ce qui contient route, ne me demandez pas, faites des recherches de votre part. Ok, parce que moi j'ai déjà routé mon téléphone, ma tablette, mais je l'ai routé avec l'ordinateur, pas avec Kingo route et tout, non. J'ai routé avec l'ordinateur, donc il y a plein de tutos sur YouTube qui traitent ce sujet. Donc allez faire vos recherches de votre part. Mais bien avant ça, voyons voir si ça va fonctionner ou pas. Si ça fonctionne, vous pouvez aller vous démerder avec des tutos sur YouTube. Si ça fonctionne pas, hélas, ne vous casse plus la tête pour aller router votre téléphone pour rien, ok? En passant, voilà le site officiel de Game Guardian. Du coup, c'est fait. Je vais essayer de l'installer. Ok, je l'installe. Sinon, je savais que ce jeu permet de hacker les jeux, mais j'ai jamais pensé à ce que ça aurait fait sur OneSbet. J'ai jamais pensé à ça. Sinon, je l'utilisais pour Temple Run afin de hacker le diamant et la vitesse du jeu aussi. Ça fonctionnait à l'époque. Et c'est pas à cause de cette vidéo que j'ai routé mon téléphone, ma tablette. Moi, je l'ai routé depuis, parce que j'utilise toujours des téléphones routés comme ça. Ok, j'ouvre. Ok, ça va faire quelques petites vérifications. Game Guardian se réinstalle avec un nom aléatoire pour éviter sa détection par les systèmes anti-cheat. Anti-cheat, ce sont des systèmes mis en place pour empêcher les hacks, en fait, de certains jeux, voilà. Veuillez patienter, donc on patiente un peu. Voilà le nom aléatoire que Game Guardian m'a proposé. Donc j'installe quand même. Parce que si j'appuie sur OK, ça va passer. Ça dit, ça va annuler en quelque sorte. Ok, voilà. Voilà le nom, le nom aléatoire. Donc j'installe. Maintenant, après avoir installé, il va me demander de désinstaller, je crois. De désinstaller avec l'ancien nom. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ça fonctionne pareil comme Lucky Patch, je crois. Mais si vous voulez savoir réellement si votre téléphone est routé ou pas, par exemple, ici, je vais essayer de vérifier si ma tablette est routée ou pas. Du coup, il suffit juste de venir sur Play Store, chercher Root Checker. Comme ça, voilà, Root Checker, et vous essayez de l'installer. Ok, voilà, c'est installé, donc j'ouvre. J'accepte. En fait, si votre téléphone est routé, ça devrait être en vert. Et si c'est pas routé, il y aura une petite croix ici. Du coup, je vérifie, voilà. Vous voyez que c'est routé ou pas? Congratulations, root access is properly installed on this device. Donc c'est routé actuellement. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de lancer Game Guardian et on va voir tous ensemble ce qui va se passer. Ok, voilà, c'est ça. Et je suis rentré dedans. Et j'appuie sur OK. Tu fais quoi? Vérification, je crois. Oh bien. Ok, j'appuie sur démarrer, je crois. Oui, c'est ça, démarrer. Et voilà, vous allez voir un petit icône flottant sur l'écran ici, comme vous pouvez le voir.
C'est ça qui permet de faire tout, ok? Maintenant, je vais rentrer dans WinSbet chercher un jeu et on va essayer de l'attaquer ensemble pour voir s'il y aura de l'effet. Let's go! Du coup, ici, je choisis quel jeu. Je ne sais pas, je vais choisir le jeu simple. Le jeu Dice, par exemple. Et pourquoi pas le jeu Dice? Donc, je rentre dedans. Maintenant, comment ça se procède? Bon, il suffit de choisir l'application que tu veux associer à Game Guardian en cliquant sur l'icône. Vous voyez? Actuellement, je suis dans OneXBet. Du coup, bon, je clique sur OneXBet et voilà. Le logo de l'application ou bien le jeu que vous voulez hacker devrait apparaître quelque part ici. Et je crois que je dois, pour hacker le score ou encore les pièces, vous devez mémoriser votre score ou le nombre de votre pièce. Ici, j'ai 324 930.15. Du coup, je fais quoi? Je clique sur le petit logo, je clique sur une loupe là. On a 4 loupes. 1, 2, bon, 3, 4. Je commence par ici, voir. Parce que ça fait longtemps que j'ai plus utilisé ça, Game Guardian. Je cherche le type d'abord, le type de valeur. Ça y est, on est bien d'accord, il y a les nombres entiers, non, les nombres flottants. Oh maman, les nombres flottants. Voilà, les flottes ici, on a le double ici, bon, ça pourrait être, vu que, bon, c'est un nombre un peu élevé, ça doit être double, je crois. Du coup, vous pouvez cliquer sur le petit toit ici, pour voir votre écran en entier, et si vous relâchez, ça va revenir dans l'icône ici, je veux voir 324 930. 324 930, donc c'est ça que je vais taper, 324 930,15. Voilà, virgule 15. Et maintenant, je fais quoi? J'appuie sur nouvelle recherche. Donc, actuellement, j'ai quoi? J'ai combien? J'ai 6 résultats. Parmi les 6 résultats, ma valeur doit figurer entre ces 6 résultats. Du coup, je fais quoi? Bon, je vais passer directement à l'action. Je vais essayer de les changer un à un. Par exemple, ici, je vais mettre quoi là? Et si je mets... Oh non. Devant ici, bon, je vais essayer de mettre 2-9 voix. Pour que la valeur ne soit pas trop. Hein. Donc, j'appuie sur OK. J'appuie sur ça aussi. Devant, je mets 2-9. Il faut que ça soit les mêmes valeurs. Comme ça, lorsque je tomberai sur la vraie balance, il n'y aura pas de problème. Ok. Pourvu que ça marche. Hein, parce que j'ai jamais pensé à ça. Hein. Merci. Bon, s'il dit merci, même c'est... Il ne parle pas français, je crois. Donc, il va rien capter de tout ce que je dis au début de la vidéo. Hein. Et voilà. Donc du coup, j'ai la même valeur ici. J'appuie sur sauvegarde, je crois. Sauvegarde. Et je fais quoi encore? En temps normal, non, vu que j'appuie sur sauvegarde, il doit y avoir le changement quelque part ici, non? Bien, je dois jouer d'abord. Oui, voilà. Oh merde. Hey, vous avez capté ce que je viens. Waouh, c'est insane ça, les gars. Mais attendez, je viens de voir 2-9 ici et bouf, c'est reparti, hein. Wow. Moi-même, je l'ai vu là, je l'ai vu, franchement, je l'ai vu, les gars. Je vais refaire ça à nouveau. Je vais refaire ça à nouveau, mais je dois regarder 324 730. 324 730. Waouh! Mais c'est reparti, hein? 324 730, je crois. Et voilà, c'est fait. Affiné.
Maintenant, j'ai une seule réponse. Qu'est-ce que je fais? Oui, je vais remplacer encore une fois par. Maintenant, ça sera 3. 3, 9. J'appuie sur OK. Et se veut garder. Et quoi encore? Oui, bon, j'appuie sur la croix. Est-ce que ça va encore venir repartir en immédiat? Attendez. Non. Non, 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 non. Mais moi-même, je l'ai vu là, je l'ai vu là. Je vais refaire ça pour la troisième fois et la vidéo va s'achever, hein. Je vais refaire ça. J'ai combien? Oui, toujours la même valeur. Du coup, toujours la même valeur. Donc, je remplace par 3,9. Bien, c'est avec 2,9 que ça passe. Je sais pas. Je vais laisser comme ça avec 2,9 encore une fois. J'appuie sur oui. Je sauvegarde. Maintenant, je lance. Oh. So, guys, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on va voir pour la vitesse. Pour la vitesse, il suffit juste de faire un appui long sur l'icône. Et vous voyez la vitesse. Voilà la vitesse qui est là. Donc, je peux diminuer. Je peux augmenter aussi. Vous voyez. Donc, est-ce que pour les trucs là, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je vais lancer voir. Oh non. Non, 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 non. En temps normal, les deux devraient venir en ralenti. Donc, ça ne fonctionne pas. Il s'appelle comment déjà? Sonos Camrush. Oui, c'est ça, non? Ou bien Camrush. You wanna know if it's possible to hack with Game Guardian? Answer is no. It's impossible. OK? It's impossible. Wow, here is my first time to speak English on this channel. Wow, I like English. So guys, j'ai pas un accent anglais de ouf, mais c'est pas grave. On se retrouve pour d'autres vidéos. Je sais pas trop si je ferai une autre vidéo dans la journée, mais on est ensemble les gars.